Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour mon premier tuto avec la petite palette Huda Beauty, la Color Obsession. Sachez qu'il y a une revue qui viendra par la suite sur ma chaîne, mais je commence déjà par faire un tuto avec cette petite palette et on est parti de suite. Donc, comme à mon habitude, j'ai posé ma base à paupières classique, celle de Kiko, toujours la même, et j'ai posé une base blanche, toujours la même, celle de chez NYX, la Milk. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais sachez que la base blanche va faire ressortir les couleurs, surtout dans ce type de maquillage qui est ultra coloré, ça les fait encore plus ressortir. Donc je vais déjà prendre ma première palette, donc je vais prendre la Peach Matte de Too Faced, et je vais juste prendre un fard de cette palette pour faire une couleur de transition, donc il s'agit du Peach Punch, donc c'est la couleur pêche la plus qui flash le plus de la palette. Et je vais le placer en creux large de paupières. Ensuite, nous allons prendre notre petite palette toute colorée qui est très très jolie. Donc, je vous ferai une revue. Je vous dis que je vous ferai une revue plus tard. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. On va juste faire le tuto cette semaine. Donc, je vais prendre le premier fard de cette petite palette, donc le fard jaune. Et je vais prendre un petit pinceau plat et je vais l'appliquer en coin interne de mon œil. Ensuite, je vais prendre le fard orange de la palette et je vais venir dégrader entre le jaune et le orange. Donc, dans un premier temps, on va se contenter d'appliquer les couleurs en les estompant entre elles et après, on estompera les bords à la fin.
Ensuite, je continue à dégrader ma paupière avec le fard rose. Donc, c'est le fard le moins flashy de la palette. Je ne sais pas s'il y a des noms sur cette palette-là, parce que je ne les vois pas. Mais enfin, bref, c'est le fard rose le moins flashy de la palette. Donc, je continue à faire mon dégradé sur ma paupière. Je viens ensuite prélever le fard rose le plus foncé, on va dire, de la palette, celui-là qui est juste à côté du jaune. Et je finis de dégrader ma paupière. Donc clairement, si vous êtes débutant, c'est vrai que ce genre de tuto, il n'est pas trop fait pour vous. Du coup, je m'en suis rendu compte en le faisant que c'était pas forcément évident. Du coup, j'espère que le tuto vous plaira quand même. Sachez que plus vous vous entraînerez à faire ce genre de choses, plus vous y arriverez. J'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas au bout d'un moment. Si vous sachez déjà dégrader parfaitement entre deux fards, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire sur avec plusieurs autres fards. Et pour terminer, pour donner un peu plus d'intensité à mon make-up, je vais venir prendre un fard de ma palette The Masquerade, donc de Juvia's Place. Donc je vous ai fait une revue la semaine dernière sur cette sublime palette. Et je vais venir prélever le fard violet, que je ne me rappelle plus du nom. Parce que dans la palette Huda Beauty, il y a un violet, mais il n'est pas assez foncé. Et moi, je vais vraiment donner de l'intensité en coin externe pour vraiment de définir le make-up et donner beaucoup plus d'intensité et de profondeur à ce maquillage qui est déjà très coloré, mais ça va ajouter encore plus de profondeur. Ensuite, on va passer aux racines. Donc, je suis venue poser aussi de la base blanche. Et on va procéder exactement de la même façon que pour la paupière mobile. Donc, on va déjà prendre le fard jaune de la palette. Ensuite, on va venir le dégrader avec le orange. Puis, on va venir se le dégrader celui-ci avec le rose
le plus clair. Ensuite, on va venir dégrader celui-ci avec le rose le plus flashy pour terminer avec le violet et on vient tout estomper en bord très légèrement. Enfin, pour estomper vraiment le bord, mais pas pour trop fondre en trait, parce que sinon ça va faire un espèce de pâté de couleurs et ce sera moins joli. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir à la paupière mobile, n'est-ce pas? Et on va venir estomper le tout, oui, parce qu'on a posé nos couleurs et tout, mais il faut quand même estomper. Donc en estompant, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez perdre l'intensité du travail qu'on vient de faire avant sur la paupière mobile. Donc il faudra repasser un deuxième coup, donc c'est pour ça que... Ce genre de tuto, c'est vrai qu'il faut prendre son mal en patience parce que du coup, c'est vrai que c'est assez long parce que vous estompez, vous enlevez de la matière, vous êtes obligé d'en remettre, donc il faut vraiment prendre son mal en patience. Donc, clairement, c'est pas un make-up que vous faites pour tous les jours, pour aller bosser, etc. Donc déjà par la couleur, mais si vous êtes pressé, c'est pas le genre de make-up, il faut prendre son temps et voilà. Donc ensuite, pour les finitions du make-up, je n'ai pas posé de liner, parce qu'en ce moment, j'ai pas envie de poser de liner, j'ai des périodes comme ça. Par contre, je suis venue poser en ras de cils du crayon noir, donc c'est celui-là dessus, Make-up Forever, pour quand même faire un effet un peu plus... comment dire, pour définir un peu plus mon œil. J'en ai mis aussi dans ma muqueuse inférieure. Je suis venue mettre du mascara, c'est celui-là d'habitude, c'est le Dior Show qui est en train de se finir. Sur mes lèvres, alors moi je vous conseille quand même de mettre quelque chose de très léger parce que c'est quand même très chargé en haut. Donc là je porte un gloss, donc c'est le gloss de... j'ai mis un rouge à lèvres que je suis venue estomper au doigt pour faire un effet lèvres mordues et par dessus je suis venue poser du gloss transparent de chez Bobbi Brown, donc ça, c'est un gloss tout con, transparent, voilà, basique. J'aime beaucoup faire ce genre d'effet quand je fais quelque chose de très chargé en haut. Et puis, je vous avais montré comment je faisais, donc si vous voulez, je vous referai un tuto pour vous montrer comment on fait cet effet lèvres mordues. Mais sachez que c'est très joli, ça fait très frais au printemps-été et que ça va à merveille avec ce genre de maquillage coloré. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, d'autres vont venir sur ma chaîne régulièrement, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez le reproduire, etc, etc. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, bye!